Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. Salut à tous, c'est Chérika, j'espère que tu vas bien, en tout cas moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle aventure sur, la suite de cette aventure, c'est Gaspard je crois, j'ai pas bien fait gaffe, ouais, c'est la planète Gaspard. Donc comme tu peux le voir, on a des nouvelles armes à acheter, bon 21 000 ça peut aller tu vois, c'est pas énorme. On trouvera peut-être quelque chose. Ratchet rêvait de monter sur ce glissorail, et il le ferait dès qu'il aurait trouvé des glissobots. Bon bah j'ai pas les glissobots, c'est un petit peu con. Alors comme tu peux le voir là, il y a des réservoirs avec un produit vert en fait, c'est pour l'aéropropulseur. Oh là. Ça me fait délirer. On va peut-être pas les faire danser à chaque fois. Hein. Quoique. Ça peut être drôle. Alors tu vois, là je prends vraiment pas de risque. Hein. J'essaye de subir le moins de dégâts possible, d'augmenter mes armes comme je peux. Voilà. Ça c'est bon. Bon, je m'attendais à avoir d'autres bestioles. Ok. Non mais oh, de où tu me tires dessus comme ça, toi? Alors tu vois, il y a sur certaines planètes, t'as des trucs comme ça, tu peux pas les casser, les trucs ronds là. Et là, sur cette planète, tu tapes dedans, t'as des boulons qui sortent. C'est vraiment pas mal, tu vois, le truc disco, c'est que tous tes ennemis se mettent à danser. J'en prends, moi je te le dis. Alors là, c'est pas le monde où je vais me casser la tête à chercher tous les boulons. Enfin, tous les trucs, hein. Là, je sais très bien que c'est un des mondes les plus compliqués. Donc, je vais essayer de faire de mon mieux pour tous. Oh là. Alors là, t'en as un. Ok. Voilà.
Là-bas, je sais pas. Bah déjà, t'as la majorité qui a été explosée. Donc là, ce qui me fait le plus chier, c'est le truc là-haut. Ok. Ouais, écoute, si ça reste comme ça qu'ils viennent pas vers moi, moi je prends, hein, je suis preneur. Hey, c'est pas des glisses au bot, ça? Un verrou à trois points. Pour l'ouvrir, nos héros allaient devoir se surpasser et activer les trois boutons en même temps. Bah là ça va, t'as du temps quand même hein, pour les avoir. Voilà, on arrive à prendre les glissobots. Après avoir enfilé ses glissobots, Ratchet bondit sur le rail. Mais qu'est-ce? Tu oses faire perdre son temps à monsieur surcon avec ça? Voilà, c'est la première partie de ce monde. En quête du jetpack, Ratchet utilisa ses toutes. Alors là, on revient au niveau du vaisseau, pardon. Voilà, il manque toujours 7000 boulons. Et du coup, on est reparti pour un tour. Ratchet bondit gracieusement sur le rail à côté de lui. Voilà. Alors là, c'est vraiment pas le plus chiant. Versamine détectée droit devant. Monsieur Surcon est là pour détruire. Tu es Bon, en fait, c'est le robot qui fait tout. Ça va, quoi. Ouais, vas-y. Alors, si tu peux économiser des munitions, tu le fais. Enfin, t'attends pas que Shishi dit économise des munitions pour le faire, hein, si toi tu refais ce jeu. Alors là, tu vois, tu peux revenir faire des munitions. Je sais qui vous êtes. Vous êtes le Lombax et le robot dont je parle aux infos. Oh, et vous devez être l'assistant anonyme qui aide Drake à terroriser la galaxie. Ça, ce n'est qu'un petit boulot. Ma vraie passion, ce sont les neurosciences amateurs. Ça fait maintenant un an que je collectionne les cerveaux de télépathopoulpes pendant mon temps libre. Votre passe-temps, c'est les cerveaux. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que vous êtes célibataire. L'étude des cerveaux est une noble quête. Si j'arrive à maîtriser le pouvoir psychique de ces télépathopoulpes, je pourrais créer une armée. Et là, on verra si ma nourriture disparaît encore du frigo de l'entreprise. Je veux dire, je pourrais contribuer au bien de toute espèce plargue. D'ailleurs, si vous me rapportez quelques cerveaux de télépathopoulpes, je vous donnerai ce jetpack. Thank you.
Eh merde, c'est pas ce que je voulais utiliser. Tu vois là je prends vraiment aucun risque. Ratchet pourrait utiliser cette station de ravitaillement dès qu'il aurait mis la main sur le jetpack. Bonjour, extraterrestre carnivore. Espèce de bébé. Après dès que je reviens au niveau de. Au niveau de l'arme. Hein. Dès que j'arrive au niveau de l'arbre, ça sera quand même beaucoup plus simple. Au truc des armes, je vais améliorer mes armes. J'ai quand même 8 boulons, 8 diamants, pardon. Putain, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Oh là. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois pas clair? Là, y a rien derrière. S'il y a un truc là, ouais, j'ai encore toute ma vita. Monsieur Surcon s'ennuie. Après lui, je le garde le sur gros là. Il est mort. Ok, il est mort. Ouais, donc je mets souvent le robot. C'est d'habitude je le mets jamais. Et là en fait je le mets souvent parce que bah voilà, si ça peut te faire économiser une dizaine de munitions, c'est toujours 10 munitions d'économiser. Si vous m'apportez encore quelques cerveaux, j'envisagerai peut-être de m'en séparer. Les cerveaux, c'est vraiment votre dada, hein? Oui, j'avoue. Grâce à ce jetpack, Ratchet devint un fléau aérien pour des milliers de planètes. En tout cas, ses déplacements sont grandement facilités. Ok. Ratchet utilisa le jetpack. Donc là, c'est L1. D'accord. On va revenir en arrière. On va pas commencer à se séparer à partir de partout. Je vais regarder là pour améliorer mes armes. Je reprends des munitions. Alors là, lequel je vais améliorer? Celui-là, je crois que je l'avais déjà fait au fond. À fond, non, pas encore. Lui est fort à fond. Il me restera qu'un côté à faire. Lui, on va lui faire tirer un petit peu plus. De toute façon. Voilà. On
moi il y aura 10 de dégâts en plus. Et on est parti pour s'amuser un petit peu. Ah, normalement tu peux pas aller tout en haut. Non, tu peux pas. Ça bloque à partir d'un certain endroit. Voilà. Mon armée de télépathopompe est à portée de main. Voilà votre inforobot. Et n'oubliez pas, ce n'est pas moi qui vous l'ai donné. Bonsoir, mes très chers villas. Ici le président Krek, avec les dernières informations sur notre quête d'une nouvelle planète. Dans les quelques jours à venir, vous remarquerez certainement une augmentation de l'activité Blark dans la galaxie. Même si nous courons le risque d'attirer l'attention des autorités, cette étape est cruciale afin d'assurer le passage sans encombre de nos moissonneurs. À titre d'exemple, le canon défensif de la tour de garde sur la planète Batalia. Ce canon ionique surface-espace protège la galaxie de toute tentative d'invasion depuis le premier jour où nous sommes venus nous réfugier sur Terre. Une fois cet obstacle éliminé, nous aurons le champ libre pour poursuivre notre quête. Les préparatifs touchent déjà à leur fin. Alors, tenez bon, ne vous inquiétez pas, et bienvenue, et bien. Quand nous aurons détruit la tour de garde et neutralisé les forces qui la protègent, nous pourrons entamer l'étape ultime de mon super plan. On doit empêcher Drake de détruire le canon défensif de la tour de garde. D'après mes données, le canon se trouve sur la planète Batalia. J'espère qu'il n'est pas déjà trop tard. Si vous ne savez pas quoi faire, je vous paierai le double pour m'apporter les derniers cerveaux qu'il reste par ici. J'ajouterai même une prime si vous les trouvez tous. Alors, il manque 60 cerveaux. Ok. Il y avait un truc pour les armes. C'est là. Moi j'aurais bien faire un tour par là-bas. Bah, j'irai après. On va aller d'abord faire les cerveaux. Alors on a déjà fait tout ça. Là maintenant, on va vraiment faire le centre et tout, tu vois, ça va prendre du temps. Donc c'est la suite de cette aventure. Hein. On va peut-être la faire en 2 ou 3 fois. Je suis toujours à la recherche de ces petits blocs. De ces petits cerveaux, pardon. J'ai du mal moi aujourd'hui. Alors il nous fallait quelques petites armes. C'est ce qu'on a trouvé. Allez, tant qu'on est là, on va descendre. Voilà, c'est fait. Là, les cerveaux qui étaient en dessous, que d'habitude je suis en galère à récupérer, c'est fait. Donc là, il nous reste les petits points à gauche et les deux blocs à droite, et on aurait tous les cerveaux. Et on est arrivé jusqu'au bout. Vous les avez tous trouvés. Je vais enfin pouvoir créer mon armée. Vous voulez dire les utiliser pour le bien des Blancs? Oui, c'est ça.
L'heure de la vengeance a sonné, Jean-Michel. Voler mon jambon beurre dans le frigo de l'entreprise. Oh, t'es pris au mauvais blague. Faites-en bon usage. J'ai conçu ce petit gadget fort utile rien que pour vous. Donnez juste un coup de clé et le casse-caisse détruira les boîtes alentour. Ensuite, vous pourrez ramasser les boulons à distance. C'est presque aussi pratique qu'un cerveau de télépathopoulpe. Voilà comment on transforme une super arme en une arme démente. Alors ça c'est fait. Ça, ouais, je peux vraiment faire pas mal de dégâts. Je pense qu'on va vraiment faire pour avoir un maximum de puissance de frappe. Alors lui, il m'en manque vraiment pas beaucoup. Hein. Ratchet mis la main sur un frappeur plasma, le bioscope pseudo-spectral pourrait identifier les moins faibles des ennemis, mais était-il assez habile pour faire mouche? Alors ça, c'est bien. C'est que tu peux zoomer. Ça mettrait un plein. Donc tu peux vraiment zoomer, tu peux vraiment faire pas mal de choses. Là, il faut que je retrouve ce putain de vaisseau. Ok. Y'a pas un rail, un truc comme ça? Je dis rien, mais quand tu vas dans les cartes, on a quand même pas mal de collections. Hein. Tu vois, il y a 33 cartes, t'as fois 7, 7 fois. Comment ça, j'ai 13 doublons? T'es sérieux, toi? Je suis. D'ouvrir les cartes, tu peux ouvrir des cartes que j'ai pas envie, gros. Alors là, l'objectif c'est de retrouver le vaisseau. Normalement, je suis dans la bonne direction. Je sais pas si j'ai les bottes pour monter là-dessus. On va essayer là tout de suite avec vous en direct pour voir si on peut. Maintenant on peut. Tout à l'heure on pouvait pas, tu vois. Je peux plus là. Oh, il y a un sous-sail. Les clans des joueurs les embûchent et pénétrèrent dans le repère Black Secret.
l'exploration, il n'y a que ce droit. Comme je te disais, cette arme, c'est vraiment une arme en or. Et quand je te dis que c'est une arme en or, tu fais ce que tu veux avec. Franchement, c'est GG tout plein. Mais laisse tomber, cette arme, c'est le pied. Mais quand je te dis c'est le pied, c'est vraiment le pied. Après, c'est pas bien ce que je fais. Je devrais augmenter toutes mes armes parce qu'après, quand on va partir. Quand on va arriver au boss de fin, en fait, si t'as qu'une seule arme qui est améliorée et pas les autres, ça va pas le faire. Et voilà, tout dans la tronche. T'es sérieux toi? Et là, c'est qui le meilleur? T'as style en fait comme ça. Voilà, j'ai vraiment tout fait. Il y a le petit boulon qui est là. Et il y a le petit vaisseau qui est là. C'est parfait. On va regarder pour les munitions. Voilà. Je vais saisir nos nouvelles coordonnées. Et on va aller à Pattaya. Alors ce niveau il est vraiment pas mal aussi. Pattaya c'est vraiment un niveau que j'adore. Donc moi je te dis c'est la fin de cette vidéo. Je te laisse la petite cinématique d'arriver. Déjà un va-t-en-guerre. Voilà le cadre défensif de la tour de garde. Drake a lancé une IEM dessus. On doit le récupérer. C'est où je peux l'acheter? Ok. Ouais, donc c'est la fin de cette vidéo. Je te dis à bientôt pour la suite de cette aventure. Je te remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Et je te dis à bientôt. C'était Chérika.